précisément dans le cas de Washington. Par le maman Marthe née. Maman Marthe née. Par le plus choc. Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Il y a un congolais. On est un congolais. On a un congolais. On a un congolais. On a un congolais. On Pourquoi pas bon de la yo? Par le bio, bio Africa Union. Et toi, t'es tout à fait la machine. Sinon, vous voyez pas, sinon, vous voyez rien. Vous voyez quoi, la yo, t'es là? Alors, t'es là, vous voyez un bon cas. Y'a fraise, y'a bio. Bio na bio. Bio na bio. Si on a un bio, vous n'avez pas un canja et ça. Par le bio, j'en vois y'a rien. Et un coup à panouan. Par le bio, j'en vois y'a rien. Ça tombe, ça gagne, tu es un poto et un bise. Par le bio, n'y a pas y'a pas tout, 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 Hello. Lupi na biba ila biloko ya. Ba ina ka biloko etazini. Oni koko mama boina bona bo jeunesse. Mona etazini. Tata yo kikole la nabino. Atinde libino. Mama Samira. Ndenge ozala kan etazini okole lokola mutwaza na mombele. Lokola mutwaza na ngaba. Merci mon bi. Wow! Is there mbus? Bana etazini. Kolia bio et komi lolenge na bino. Bona kozwa, mbisi ya koka uka, tope mafute mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Che mama Samira, mansom azali, eloko moko te yo koluko komonate. Nandenga mabete, pona kozwa bilo kwa detay. Yuka numero, numero 938, avenue Maurice, na New York. Adresse. Il y a entrepôt 12 40 Avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya koka uka. Mongusu mafute mbila. E koko maloko la bazoka na yo. Yeyo, kombone mama Samira. Makian bae. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre face à face. Un nouveau numéro, mais beaucoup plus particulier et même à la limite exceptionnel, parce que je reçois les chevaliers de la plume. Ils sont journalistes, ils sont éditeurs, ils sont blogueurs, youtubeurs, et nous prenons le temps de parler de quatre grands sujets, je veux dire quatre ou cinq grands sujets, mais alors c'est des questions qui n'ont jamais été débattues convenablement. Et si on va le faire, on va essayer de le faire. Je reçois Patrick Eyalé qui est journaliste, éditeur, analyste, dans le cadre du média, c'est l'un des grands dans notre secteur et je suis très fier de l'inviter aujourd'hui. Et allez, comment tu vas? Merci Christian, c'est un honneur pour moi et un plaisir. Je tiens à préciser qu'ici, je réagirai dans ma casquette d'éditorialiste. D'accord. Et je ne m'interdirai pas d'agir encore dans une autre de mes casquettes de polémiste. Les gens au cours de l'émission comprendront un peu, au gré de ce que j'aurai à dire, qu'est-ce que j'entends par polémiste. Mais pour éditorialiste, je me suis long de m'expliquer sur ça. Mes prises d'opposition ne sont pas neutres. Je tiens à le dire pour ceux qui me suivent pour la première fois. Mes prises d'opposition ne sont pas neutres. Et tu l'assumes? Je l'assume. Je suis un éditorialiste qui a des opinions, qui a des convictions qui convergent avec un mouvement, un camp et une idéologie qui est bien connue. Très bien. Alors, je reçois aussi Pascal Ounjé. Pascal Ounjé, comme les Ivoiriens disent, c'est un grand frère, c'est un confrère, c'est finalement un éclaireur pour beaucoup de gens. Je me rappelle encore de cette célèbre phrase, tout passe, tout coule, rien ne demeure. Alors aujourd'hui, je vous reçois en tant que journaliste, vous êtes responsable des médias, vous êtes en même temps producteur des émissions. Aujourd'hui, je vous reçois dans ces casquettes-là et pour discuter, comment allez-vous?
Merci beaucoup, Christian Bossembe, mais surtout comme spécialiste des questions politiques, oui, de par ma formation, parce que j'ai une spécialisation en communication, enfin en journalisme politique. Et aussi comme engagé, si aujourd'hui le Congo ou le pays a connu un changement, c'est grâce à ce que nous avions fait comme travail. Je suis celui qui a créé d'ailleurs ce concept de journalisme engagé. Et voilà, l'objectif est aujourd'hui atteint. Et voilà pourquoi il faudrait qu'on fasse comprendre aux uns et aux autres ce qu'il faut encore pour le pays. Que les gens ne revient pas ce qui a été mal fait dans le passé. Nous faire croire aujourd'hui que ce qui a été mal fait dans le passé était encore meilleur que ce qui s'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de jeter les vrais jalons pour la construction efficace de l'édifice. Et seuls ceux qui ont des projecteurs qui comprendront et qui verront ce qui est en train d'être fait aujourd'hui au pays. Alors, et donc voilà, c'est dans cette qualité de spécialiste des questions politiques, ici, que je n'interviens, même si vous aviez reconnu que nous sommes engagés comme journalistes dans ce combat depuis très longtemps. Très bien. Alors, je voudrais, pourquoi je vous reçois pour la première fois dans le cadre de ce premier numéro de cette émission, c'est d'abord pour honorer votre combat, votre lutte, mais aussi nous poser des vraies questions. D'abord, Patrick et Allé, vous avez longtemps, on va dire, combattu le système Kabila. Et c'est vrai que vous aviez en ce moment-là des positions parfois tranchantes. Aujourd'hui, est-ce que les choses pour lesquelles vous êtes battu convenablement, est-ce que ces choses ont changé? Est-ce que ces démons sont partis? Est-ce que la lutte, on va dire, est finie ou elle ne vient que commencer? Votre question est très pertinente. Je dirais d'emblée que les choses tardent à prendre, je dirais, la tangente que nous voulions, que nous espérions. Est-ce la faute à ceux qui ont pris les rênes ou est-ce le cheminement normal de la transition pour que nous atteignions l'objet de ce que nous voulons? J'en profite pour faire une digression. Quelle digression va converger avec ce que je dis? J'étais hier au point de presse du ministre de la Communication, M. Mouyaya. Il a abordé un point très important sur la baisse des prix des denrées alimentaires. Et vous souviendrez qu'on a annoncé, que le gouvernement a annoncé, qu'il y aurait une baisse des denrées alimentaires. Et depuis, il y a eu tollé, levé de bouclier. J'ai été surpris de voir des compatriotes congolais prendre position pour les importateurs qui, en grand nombre, sont des sujets étrangers. Libanais, Indo, Pakistanais. Ces Congolais, compatriotes, ont pris position pour eux, pour dire que le gouvernement harcelait les investisseurs, qu'il fallait que les prix restent en l'état, alors que le gouvernement a fait un travail minutieux. Il y a une commission qui allait jusque en Namibie pour voir la structure des prix. Ce même gouvernement, avec sa commission, a fait des enquêtes, fouillées. C'est à l'issue de tout cela que le gouvernement, en concertation avec la FEC, a pris l'initiative en tant que régulateur de dire voici désormais les prix, la fourchette de prix que vous devez pratiquer. Mais quelle n'a pas été ma surprise de voir des Congolais contester cela. Oui. Est-ce que ce n'est pas le... Enfin, je vais revenir sur la question avec Pascal, mais d'abord vous, est-ce que c'est le rôle du gouvernement d'obliger les importateurs de fixer le prix ou c'est le rôle du gouvernement d'ouvrir finalement le jeu à tout le monde pour conduire à une compétition? Parce que la compétition va finalement imposer le prix. Il faut laisser le marché se régler lui-même, comme on dit, comme certains économistes le disent. J'avais déjà l'information, mais hier, à travers le ministre Mouya, j'étais suffisamment éclairé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une forfaiture. Ces importateurs déclarent payer certaines taxes. Une affaire d'une trentaine de taxes. À la RVM, à la douane, à la DGM. On va vérifier auprès de ces services
Ces services ne reconnaissent pas percevoir les taxes dont les importateurs ont brandi des preuves. Faux et usage de faux d'abord. Le gouvernement décide alors d'extraire ces taxes. Dit désormais, les taxes qui surchargent à la fin, in fine, la structure des prix, nous allons les extraire. Même s'il appert que ces taxes-là, vous ne les payez pas, mais comme vous dites que c'est à cause de ces taxes que les prix sont exorbitants, nous extrayons ces taxes. La conséquence, quand on extrait la baisse des prix, bien sûr. C'est la baisse de prix. Oui. Ça, le Congolais doit le savoir. Et aujourd'hui, ils sont au pied du mur. Ils sont au pied du mur. Mais les prix ne baissent toujours pas. Vous avez suivi celui de l'aviation civile. Ils ont dit qu'ils ne baisseront pas le prix parce que ce n'est pas possible qu'ils baissent le prix. Ils achètent les kérosènes à prix de l'or. Et que quand, par exemple, je prends un exemple aussi, c'est 150 litres de kérosène pour un avion, eh bien, l'avion n'est pas obligé, l'avion ne pourra pas, pourra pas transporter à son maximum. Et donc, l'avion doit compenser, ça veut dire 100 personnes au lieu de 150. Et quand c'est 100 personnes au lieu de 150, c'est les 100 personnes qui payent pour les 150. Donc, si l'État veut que le billet baisse, il faut d'abord commencer par voir le prix du kérosène. Est-ce que le calcul est vrai? Est-ce que le calcul est faux? Bon, ça reste un débat. Le ministre Mouyaya nous a expliqué, parce que moi, j'aime pas trop me donner le luxe, donner un avis sur des questions dont je n'ai pas la maîtrise, ou dont je n'ai pas fonction être expert ou spécialiste. Le ministre nous a expliqué ce qu'il en est. Par exemple, je veux faire la jonction entre, parce qu'il s'agit aussi de la baisse de prix, le coût de billets d'avion. Mais je commence d'abord par les prix de denrées alimentaires. Les importateurs ont déjà fait des stocks qu'ils auraient payés à un certain prix et avec des taxes, farfelues ou pas, qu'ils auraient payées. Donc on doit laisser à ces importateurs d'écouler la marchandise ayant été achetée à prix et avec des taxes élevées. Quand le flot des marchandises en leur possession seront épuisés, les prochains stocks qui devront arriver ne seront pas soumis à ces taxes-là que le gouvernement extrait, ce qui aura comme corollaire, comme conséquence, comme obligation, l'imposition d'appliquer, et je répète la phrase du ministre Mouyaya, le juste prix. Très bien. Le gouvernement est là pour faire appliquer à ceux qui se livrent au commerce l'obligation d'appliquer le juste prix. Et en ce qui concerne les denrées alimentaires, la fourchette du juste prix a été donnée. Et ce n'est qu'une question de temps pour que cela soit appliqué. Exactement comme ça s'est passé avec les passeports. Quand on a annoncé la baisse des passeports, il y a des gens qui ont crié au scandale. Mais comment on peut passer? Moi, j'ai acquis les passeports pour madame et les enfants à 300 $ le passeport. Mm. Et vous vous souviendrez que 60 $ allaient dans la poche d'un individu qui habite les Émirats Arabes Unis, qui serrait la sœur. Je m'arrête là, ceux qui connaissent l'affaire connaissent. Très bien. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez le passeport qui s'équivaut entre 100 et 120. Même parfois. On n'a toujours pas le prix exact du passeport. Je reviens sur le prix du passeport, il y a 100 $, okay. Mais avec les facilités, tu peux arriver à 120. Ce qui est largement, largement mieux que les 200, 250, 300 que nous payons, dont 60 $. Même à l'époque, le passeport coûtait en réalité 190 $. Hein. Et puis après, c'était les frais connexes. On ne comprenait jamais comment ça se passait. 290 fixes. Ouais. Édicté par l'État. Ouais. 9 $ édicté par l'État. 100 $, je te dis. Au jour d'aujourd'hui, on est preneur. Et quand j'entends des gens dire qu'on était mieux il y a 2-3 ans, je me demande s'ils n'ont pas exagéré un peu la bouteille. Très bien. Alors, Pascal Oumoundjé, vous, par exemple, on se croisait plusieurs fois dans des plateaux de télévision. On a eu à un moment donné des moments des insomnies, des peurs d'être arrêté, ainsi de suite. Parfois, on ne dormait pas chez nous à la maison, et vous le savez. Alors, la question, c'est de savoir, êtes-vous fier aujourd'hui de ce combat? Quand vous regardez les 2 ans, les 3 ans, l'après Kabila, êtes-vous fier? Est-ce que vous vous dites, ben c'est bon, ça y est? Ou vous dites, mais oh là, on a tapé à côté? Non, je suis très fier parce que ce qui est plus important, ce qui était très important pour moi, c'est le changement de celui qui détenait le gouvernail. Ce qui était fondamental pour moi. Parce qu'à l'époque, je disais que si on tournait à rond, si le pays ne savait pas avancer, c'est simplement parce qu'on n'a pas cette
personne capable d'anticiper les événements, capable de naviguer dans le temps. Il s'est limité dans le présent, et c'est les autres qui réfléchissaient à sa place, et ça posait problème, et on tournait à rond parfois, ça ne pas avancer. À partir du moment où cette personne qui détenait le gouvernail est partie, pour moi, c'est la première étape de la satisfaction. Mais il y a un bémol, ce qui est vrai, c'est que, certes, les acteurs politiques qui composaient le gouvernement, qui parfois faisaient la philosophie politique de la gestion de l'époque, sont partis parce qu'ils étaient souvent dans les gouvernements, mais les techniciens sont restés dans les institutions, entre autres ici les entreprises, ainsi de suite. Bientôt 3 ans, on n'a pas encore été à mesure de toucher ces gens dans les entreprises. Même la question des prix que nous évoquons ici, souvent c'est ces entreprises qui posent problème. Il faut que le changement commence par là. Lorsqu'on aura, par exemple, un directeur général qui vient des entrailles du combat dans les différentes sociétés, sinon je vais parler des directeurs généraux, qui ont la philosophie de la gestion du président actuel, sinon du régime actuel. Là où, par exemple, on mobilisait 10 000 dollars, avec l'actuelle philosophie, il peut mobiliser 20 000, 30 000 dollars. La conséquence sera laquelle? Le budget qui aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un budget de 4, 5, 6 milliards, passerait à 10, à 11, à 12, connaîtrait l'évolution. La preuve, vous voyez, c'est que l'homme de la DGI est en train de faire. Et donc, c'est là la difficulté. Parce que le confrère a évoqué même la question, la problématique des taxes. Oui. Je suis derrière un dossier. Ce qu'il a dit, c'est fondamental et vrai. À Matadi, on a instauré une taxe. La direction générale à partir de Kinshasa semble ne pas être informée. Je ne veux pas citer la société parce qu'on sait que je suis dedans. Mais c'est à la direction provinciale à Matadi qu'on perçoit la taxe. La taxe, c'est combien? C'est 0,33% par tonne. Et cet argent n'arrive pas à Kinshasa. Ah non, ça s'arrête au niveau de la province. Ça s'arrête au niveau de Matadi. Oui, au niveau de Matadi. Faites les calculs. Combien de bateaux accostent par semaine, par mois, par an? Et c'est les individus qui prennent cet argent. Mais l'État est là. Pourquoi l'État ne réagit pas? Non, l'État était là. Kinshasa ne peut pas savoir ce qu'il peut faire. Non, l'État qui était avant n'était pas à mesure de voir ça. Mais l'État qui est là, ça fait 3 ans. Mais c'est comme ça qu'on commence à voir. D'où je dis, il faut maintenant changer ces gens-là. Il faut les faire partir rapidement. Aussi, ceux qui étaient hier, vous et moi, et Patrick, contre qui nous faisions des débats, agglutinent le chef de l'État. Prodigue des conseils contraires à ce que nous avions pensé dans le combat. Et la conséquence, c'est que parfois, lorsqu'ils écoutent, ils peuvent être parfois désorientés. Vous, et c'est là la difficulté. Et c'est comme ça que parfois, les choses ne marchent pas bien. J'ai mené mon combat, surtout pendant la campagne électorale, dans la ville de Kinshasa, ici, Christian Bossembe. J'évoquais la problématique des infrastructures, vous allez vous en souvenir. J'ai cité les différentes communes. J'ai démontré comment Kabila n'a pas aimé le pays. S'il avait aimé le Congo, il allait faire mieux. Je vous citais Nsele. Je vous citais Maluku. Je vous citais Kingasa, Kimbanseke. Je vous citais Massina. Je vous citais Matete. Je vous citais Ngaba. Je vous citais... Et quand vous prenez ces communes-là, durant ou pendant 18 ans, ils n'ont bénéficié ni d'une route réhabilitée, ni d'une route construite. Mais c'est ce que nous disions. Et il fallait corriger ça déjà. Mais aujourd'hui, ça continue. La question que je voudrais vous poser... Et quand vous vous promenez aujourd'hui, vous allez revenir à votre question, quand vous vous promenez à travers la ville de Kinshasa, nous avons une difficulté aujourd'hui. Des embouteillages partout. Dû au manque de voies connexes pour permettre la circulation. Et pour ça, nous ne pouvons pas nous réjouir. Alors, voilà pourquoi nous interpellons. Il faut qu'on change. Qu'on change les gens. Mais alors, la question, avant de revenir à Patrick, est-ce que vous avez l'impression que Félix Tshisekedi d'avant et Félix Tshisekedi de maintenant sont deux personnes différentes, ou vous avez l'impression que c'est la même personne qui continue à agir? Non, c'est la même personne. Bon, moi, j'ai eu la chance d'échanger avec lui déjà 2 fois depuis qu'il est président de la République. Je n'ai pas vu la différence de la personne. Ici, moi, je regrettais son entourage.
à un certain moment. Mais c'est lui qui choisit son entourage. Oui, c'est lui qui choisit, mais malheureusement, à un certain degré. Et des gens qui bénéficient de sa confiance, malheureusement. Et c'est là où je m'interroge, est-ce que les conseils, à un certain moment, à tant que conseillers sont bien donnés, si les conseils sont mal donnés, et que le chef, peut-être ne fait pas confiance, il écoute ces conseils-là, c'est un danger, voilà pourquoi nous devons dire, nous devons interpeller le chef de l'État qui nous regarde présentement, de comprendre que le combat tel que nous l'avons mené, les attentes de la population ne sont pas encore arrivées. Patrick, vous avez la même question. Il faut un grand effort, il faut révolutionner les choses déjà maintenant. Je vais, moi, je vais nuancer et imager mon propos. Vous savez, quand quelqu'un sort du coma, vous ne pouvez pas lui demander de faire une course de 100 mètres, ni même de 10 mètres. Il doit réapprendre à marcher. Il doit réapprendre les fonctions basiques. C'est aujourd'hui, c'est que le Congo. 18 ans de coma, de léthargie. Vous ne pouvez pas demander au Congo aujourd'hui de s'aligner. Et donc, aujourd'hui et maintenant, vous ne pouvez pas attendre des miracles. C'est cela la difficulté. Et ce qui est aberrant, c'est de voir des gens qui ont contribué à mettre le Congo sous coma prendre la parole aujourd'hui. Mais parce que vous les laissez parler, alors qu'ils ont de cadavres dans leur placard. Votre justice ne fonctionne pas convenablement, vous les laissez parler, voilà pourquoi ils s'enorgueillissent un peu. Non, c'est le revers de la médaille aussi, mais je ne pense pas que les Congolais, dans son ensemble, sont des gens à prendre pour des zigotos. Quand j'entends, voir, quand je lis certaines personnes qui ont contribué à mettre le Congo dans un état comateux et qui attendent aujourd'hui que le Congo accélère au pas de course. Pour revenir au prix, vous imaginez si aujourd'hui le gouvernement disait, bon ça va, ils imposent les importateurs à mettre la clé sous les paillassons et qu'il y a pénurie des darons alimentaires. Ces mêmes gens qui pour la plupart sont des associés, des importateurs, si vous fuyez bien, vous allez retrouver ces mêmes gens sont... D'ailleurs. Ah, si vous fouillez, mais c'est comme ça. D'ailleurs. Ils sont actionnaires de l'huile, du savon, de tomates, des chinchas. Ils sont partout. Ils sont dans tous les commerces. Ouais, dans tous les commerces. L'un avait même pris le marché des plaques plaques immatriculées. Ouais. Ils sont dans tous les commerces. Notre billet, l'argent que nous consommons. Ils sont partout. Ouais. Et dernièrement. Est-ce que vous savez, je vous ajoute un élément, est-ce que vous savez que le pain que nous mangeons, ce pain-là abrite une société, des concessions des sociétés qui existaient à l'époque, les sociétés de transport par exemple. Certaines usines ont été, on leur a donné ces concessions-là, cadeaux comme ça. Et nous, on ne gagne absolument rien. Le pain n'est fait que continuer à mincir. Dernièrement, quand on a inauguré une espèce de chose qu'on appelle tyrolien, je me suis dit, j'ai posé la question, comme ça, ce truc coûte tel prix et il faut que... On a dit 90 dollars les 5 minutes. Je vais me tromper, mais on dit ça. Je ne m'hasarde pas à demander les prix. D'abord, c'est curieux qu'un ex-couple présidentiel fasse du commerce. Et bon, ça peut se comprendre. Mais là où j'ai été sidéré, M. Kabila a été désigné président pour gérer ce qu'on appelle la res publica, la chose publique. La chose publique est un bien commun. Et dans ce bien commun, nous avons des patrimoines. Nous avons un patrimoine comme le zoo, comme la Fiki. Les gens ont dit non, il a trouvé le zoo déjà dans un état de mouroir. Mais je me souviens qu'en 2007, M. Didas Pembe, alors ministre du Tourisme, a proposé un projet démantelant le zoo pour l'amener à Ntsele. Le dossier existe en 2007, en conseil de ministres, sans suite. Mais vous trouvez normal que quelques années après, dans le même coin, que celui qui dirigeait les conseils de ministres se fasse construire un parc VIP où on doit payer roubles sur ongle pour y aller. Les gens ne s'offusquent même pas. Celui qui était gestionnaire de la chose publique, là où il y a les biens communs qui nous appartiennent, qu'on doit léguer à nos enfants, il a laissé ça dans un état de mouroir. Mais il s'est construit un truc luxuriant pour une catégorie de Congolais. Et il y a des gens qui disent bravo. Est-ce qu'on ne salue pas l'initiative privée? J'ai vu la ministre de l'Environnement, vice-premier ministre,
aller là-bas, aller là. Et puis, ses services ont dit qu'elle ne devait qu'encourager un acte aussi louable comme celui-là, parce que ça incite les Congolais à construire chez eux. La ministre, je ne peux pas la blâmer, elle est dans son rôle. Elle est dans son rôle, il y a eu un investissement qui a été fait, qui appartient au privé. Là où ce privé-là était gestionnaire de la chose publique et a laissé le bien commun qui nous appartient tous dans l'état où on connaît. S'il y a des gens qui trouvent cela cohérent, correct, dans acte. Mais moi, je me questionne. Je reviens maintenant sur l'état actuel du Congo. Je vous dis que le Congo sort d'un coma. Et pendant sa période où il faut aussi reconnaître, et ne soyons pas aussi, trop exigeants vis-à-vis de l'ancien gestionnaire, et qui a aussi trouvé le Congo dans un état délabré. Ben c'est lui qui a mis le Congo dans un état délabré, avec les rébellions, ce sont eux qui ont mis le dans ces conditions. Il a trouvé le Congo dans un état délabré, parce que les dernières années de Mobutu, c'était pas glorieux. Oui. Et le gestionnaire passé, il a récupéré un pays délabré et il a contribué à mettre 6 pieds sous terre encore ce pays qui était déjà dans un piteux état. Les gens ne comprennent pas pourquoi, personnellement, moi, je suis trop exigeant. Il a eu 18 ans. 18 ans pour colmater les brèches. 18 ans pour mieux faire. Quand on fait la somme de ce qui a été fait en 18 ans, si vous me mettez quelqu'un en face de moi qui dit que le bilan de 18 ans est un bilan glorieux, je te promets qu'il n'y aura pas de débat, tu vas couper l'émission parce que je serai sur mes nerfs. Point sur point. Maintenant, pour ne pas faire tout le temps le procès du passé, oui. Parlons du pouvoir actuel. Moi, bien qu'il y a des gens qui disent que je suis dans ce qu'on appelle le djalélo, ça leur concerne. Mais je suis et j'aime rester cohérent. Qu'est-ce que Fatih a déjà fait d'aussi important qui ne pouvait pas être fait pendant 18 ans? Les bases qu'il est en train de mettre. Lesquelles? Aujourd'hui. Heureusement pour nous que ce monsieur n'est pas de la province du président. Monsieur Jules Alignite. Le président pose des bases. Il dit... Ressuscitez-moi un peu cet instrument, l'inspection générale de finances. Mettez-y moi quelqu'un de rigoureux. Voyons voir ce que cela va donner. Et cet instrument a été mis sous cloche pendant l'ancien régime. Et que voyons-nous? Que voyons-nous? Pour la première fois en 18 ans, les régies financières ont dépassé leur assignation. Plus de 150% réalisés. Au jour d'aujourd'hui, on dit la crainte de l'éternel. Et le commencement de la sagesse, on entend maintenant que la crainte de l'IGF et d'Alinghetti, ce qu'on appelle la peur du gendarme. Voilà. Ce qui n'existait pas. Très bien. Alors je reviens à vous. Ce qui n'existait pas. Je reviens à vous. Vous permettez. Okay. C'est une première base où on voit, ce n'est pas de la fanfaronnade. Ouais. Les résultats sont palpables. Alors on va. Deuxième base. Oui, donne la deuxième base. Deuxième base. Je veux utiliser l'expression. D'un aîné qui nous a quittés, que j'aimais beaucoup parce que j'aime son style. Clopin, clopin, la justice est aujourd'hui en marche. Ah, là, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions que je poserai sur la question. D'où l'expression clopin, clopin. Oui. Vaut mieux une justice clopin, clopin qu'une justice quasi morte. Même si les effets sont parfois la même. Je ne vous le fais pas dire. Non, très je bien. Veux. Non. Très bien. Je nuancerai. Et je vous ferai comprendre là où il y a une grande différence. Je reviens à vous. Pascal, la même question. Alors, on va prendre toujours dans le cadre de un petit bilan, parce qu'il faut le dire, c'est quand même 61 ans d'indépendance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous retenait de Fatih? Si un élève, un enfant ou un monsieur vous pose la question en disant « Mais Pascal Oundjé, bon, vous soutenez la gouvernance actuelle. Oui, mais dites-nous, quelles sont les bases? Quels sont les signaux? Ou qu'est-ce que Fatih a déjà fait? Nous, lorsque nous grandissions, on avait un cours intitulé « Savoir vivre ». Dans ce cours, on nous permettait de différencier le bien public du bien privé. Et
on régressait substantiellement le comportement de l'homme dans la société. Et à un certain niveau, on a élagué ce cours du programme. Et vous rendrez compte que pendant une certaine époque, les Congolais développaient un comportement pratiquement indécent et déconsidéré à travers le monde. Et au jour d'aujourd'hui, le travail s'est fait par rapport au comportement du Congolais. Patrick évoque les chefs. Effectivement, quand vous êtes dans les entreprises de l'État, vous vous rendrez compte aujourd'hui que les dirigeants ont peur d'agir de n'importe quelle manière. Ça recadre l'individu lorsqu'il gère la chose publique. Ça, c'est fondamental. Et ça a commencé d'où? Avant qu'on arrive à l'IGF, dans la perspective, toujours trouver solution à cette question du comportement de l'homme, le chef de l'État, dans ses premières décisions, il a pensé, en tout cas, faciliter l'éducation des enfants. C'est fondamental. Parce qu'à un certain niveau, nous disions qu'au jour d'aujourd'hui, je suis dans le passé, un passé présent, ou un présent passé, on disait que quand vous regardez l'éducation des enfants au niveau primaire, qui vont au niveau secondaire, finalement à l'université, parce que n'ayant pas une bonne base, finalement obtient un diplôme de licence sur le plan de travail nul. Et la conséquence, c'est qu'on ne peut pas avoir une bonne production. La conséquence, c'est qu'on a des méchants comme dirigeants, et nous les avions connus ici. Et à ce moment-là, on ne peut pas avoir une bonne économie, on ne peut pas avoir une bonne gestion. Et on a réfléchi maintenant à avoir un nouveau homme. C'est à ce stade que je dis, nous sommes sur une bonne base. Question de laisser le temps au temps. L'évidence, c'est que c'est comme on obtenait l'indépendance en 2060. Vous avez l'indépendance politique, mais vous n'avez pas l'indépendance économique. C'est ce que Fatih a connu. Il a obtenu le pouvoir, mais sur le plan économique, tu étais entre les mains de ceux qui lui remplaçaient. Et ça pose des problèmes. Toutes les entreprises sont sous-traitées. Et c'est les individus. Est-ce que vous êtes en train de changer ça aujourd'hui? Est-ce que les choses sont en train d'être... Est-ce que les choses changent maintenant? Est-ce que Jules Alinguet suffit pour tout déverrouiller? Non, ce n'est pas que lui suffit. Oui. Mais nous prenons son exemple. C'est dans le temps... Il y a la Cour de compte qui n'est pas fonctionnelle. Il y a les parquets financiers qui ne sont pas encore mis en place. Il y a les cours administratifs qui ne sont pas mis en place. Est-ce que vous pensez que ça ne prendra pas, ça ne nous coûtera pas le temps finalement? Non, ça doit demander le temps. Ça va nécessiter du temps. Ce n'est pas parce qu'il est au pouvoir aujourd'hui, une année, des années après, tout doit changer. Non, je ne pense pas à ça. Et je ne suis pas quelqu'un qui, comme un flatteur, qui applaudit tout. Non, je suis un bon conseiller. Je dis voilà ce que nous voulons. C'est ce que nous faisions hier, c'est ce que nous luttions hier. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit au début, il y a certaines choses qui ne semblent pas bien marcher. Pourquoi? Parce que parfois, il y a certains mauvais conseillers. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà ce qu'il faut faire. C'est ce que je suis en train de dire. Sur le plan, sur les points positifs que je considère pour moi comme des bases essentielles pour la construction d'un État, c'est l'homme. Cet homme qui ne comprenait rien par le passé, une fois dans une entreprise, l'argent qui entre, c'est pour sa femme, c'est pour ses enfants, pour lui, ainsi de suite. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens canalisent les recettes pour la cause essentielle, pour la cause nationale. Ça, c'est fondamental. On ne peut jamais négliger ça. L'engagement sur la sécurité. Je pensais à un certain moment que ça pouvait sembler à un slogan politique. Mais je me rends compte effectivement que c'est un engagement qui peut même risquer sa vie. Et pour ça, je dis bravo. Et l'état de siège est tel que décrété à l'Est, quand vous observez sans sentiment, regardez comment la population de l'Est, moi je viens de là, pas très longtemps, mais les gens sont tellement contents. Les gens revivent aujourd'hui l'espoir. Pensent que dans une année, beaucoup de choses vont changer. L'état de siège qui a été critiqué par Fayoulou, on ne peut par l'opposition, c'est normal. Vous muselez, ils musellent, je veux dire, la liberté d'expression. Mais bien, ça, on va raconter ça. Non. Alors, je voudrais qu'on évolue. Non, mais même si une action ne peut pas obtenir l'adhésion de tout le monde. Mmh. Voyez-vous? Encore qu'il s'agit d'une lecture stratégique. Ça, ce n'est pas une lecture... quand vous n'êtes pas au pouvoir, c'est difficile de percevoir ce qu'on est en train de faire. C'est une lecture stratégique
de sécurisation des citoyens et de leurs biens. Avant de passer à un autre sujet, je voudrais vous poser une question sincère et franche même. Comme ça, vous allez prendre une minute pour répondre à la question et puis on passe à un autre sujet. La question, c'est de savoir, est-ce qu'au fond de vous, vous pensez que Fatshi est un président de changement, de transformation, ou vous pensez que l'état de ce pays impose que Fatshi soit un président de transition? Il n'assure que la transition et puis viendra le bon moment. Parce que lui, peut-être son rôle serait, comme certains disent, de mettre les bases, de normaliser le pays et laisser aux autres le temps de faire. On n'aura pas un providentiel. Et Fatshi, c'est le fruit du combat. Le combat était pour le changement. Et ce changement, c'est dans plusieurs secteurs de la vie. Et on ne peut pas croire que le changement se fera de façon brutale. Et même s'il faut parler de la transition, chacun peut avoir sa conception, sa compréhension de la transition. Effectivement, c'est qu'il fait aussi une transition. Bien sûr. On sort d'une période complexe. Ouais, pour aller dans une autre période. C'est une transition. Okay. Mais une transition normale, parce qu'il a tout un mandat, ouais. Il doit travailler par rapport à son mandat. Parce que c'est exactement ce que Patrick vous avait dit tout à l'heure. Le pays était dans un état de coma, comateux, et qu'il ne faut pas demander plus, mais plutôt il faut construire ce qui a été détruit. Alors, est-ce que l'on comprend que Fatshi doit être soit un président des transitions, qui normalise les choses, peut-être au bout de deux mandats, c'est lui qui viendra après lui, si les choses sont bien et bien faites, je crois qu'il aura peut-être moins de travail, il fera peut-être mieux. Je veux vous surprendre. Je dirais que c'est un président de transition, mais j'aurais aimé, j'aurais voulu, j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup plus de Kabila en Félix. Pas Kabila Joseph, mais Kabila Mosé. Ouais, le père. Le père. Pour qui j'avais beaucoup de respect. Mosé. Mosé, quand il vient, il trouve le pays dans l'état où il était. Où le comportement la mentalité. Congolais, la mentalité était déjà à l'époque en train de s'affaisser, en train de friter. Et je vous dis que 21 ans après, c'est pire. Mais déjà, à l'époque où Mosé entre, la mentalité, le comportement du dirigeant, du citoyen, était au ras de paquerette. Mosé a compris qu'il fallait la discipline. Aujourd'hui, les gens parlent. Mosé s'est assis, il a pris les dignitaires, il les a mis là. Toi, tu as volé, donne l'argent à l'État. Toi, tu as des immeubles. Aujourd'hui, les gens qui ont scandale, Mosé et Kabila, dont ceux qui ont succédé se réclament des héritiers. Il a pris les dignitaires. Mais ce n'était pas tout un bon exemple là, sur la question. Non. Le président ne fait pas des procès aux gens comme ça. Non. Il faut des instruments. J'en conviens. Oui. Mais la symbolique, c'est la symbolique qui voulait nous faire démontrer, voire comprendre que vous êtes mauvais, que vous avez mal fait les choses, qu'on n'agit pas comme ça. Permettez-moi de le dire en lingala, que ba yiba kabouite. C'est tout ce que moi je reproche au successeur de Mosé qui a laissé son entourage. On peut comprendre, moi je suis pas idéaliste. Hein? Non, je suis pas idéaliste. Mais il y a de ces montants, il y a de ces sons, il y a de ces détournements quand j'entends. Je dis, comment on peut être si mauvais, si méchant? Mais est-ce que le problème, c'est d'arrêter les gens et laisser l'argent de l'État se volatiliser? Les chefs de l'État m'ont même montré un peu ses inquiétudes. On arrête les gens. Patrick est allé voler 10 millions. Bon, on l'arrête, Patrick. Mais les 10 millions, on ne verra jamais la direction ou la destination de la. Quand j'ai réclamé qu'il y aurait dû avoir un peu beaucoup de musées, oui. C'est dans ce sens-là. D'accord. Aujourd'hui, Félix a fait des choix dans son entourage. À nommer des gens. Certains choix, certaines nominations ont réussi, d'autres non. Ce qui est normal, non? Ça peut arriver dans toute maintenant, action. Absolument. Okay. Là où il devait maintenant y avoir du Mosé en lui, et je veux faire une jonction avec la justice, oui. C'est que il n'arrive pas à se lever en hauteur pour exiger que ceux de lui qui sont dans la forfaiture, soient sanctionnés.
Vous pensez que Félix Tshisekedi protège ses poulains, ses collaborateurs? Maintenant, je fais une jonction avec la justice. Sinon, Kabiré ne se retrouverait pas en prison, en tout cas. Je fais une jonction avec la justice. Il y a ceux qui, dans leur récrimination contre la justice, disent que nous avons une justice à double vitesse. Cette affirmation est vraie, mais elle n'enlève pas le fait que ceux qui sont jugés sont fautifs. Mais là encore, je mets une parenthèse pour appeler à la responsabilité de notre justice. Il ne faut pas que ceux qui sont jugés, à qui on repose des choses, que cela soit fait un peu comme si il y avait une catégorie des gens ciblés et d'autres non. Parce que même dans ce lot-là, on ne comprendra pas pourquoi lui et pourquoi pas, l'autre. Voilà pourquoi moi j'avais appelé à mettre les choses à plat. Pas maintenant, depuis. Parce que si la justice doit être correcte, il nous faudra construire des centaines de macales. Très bien. Alors, des centaines de macales. Parce que je ne vois pas beaucoup y échapper. Très bien. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup de personnes aussi, ça sert à quoi d'arrêter les gens si vous ne pouvez pas récupérer le butin? Parce que, à mon entendement, une action judiciaire a pour fondement deux grandes raisons. La première, c'est de corriger un comportement délictuel ou un comportement de délinquance. Mais l'autre, c'est plutôt de rétablir l'État dans ce droit. Pascal Ounjé a volé 15 millions de dollars. On arrête Pascal Ounjé, il fait 10 ans de prison. Mais l'argent que Pascal Ounjé a volé continue à servir les enfants, les copines et les autres. Et si on disait, bon, on va laisser Pascal Ounjé continuer de vivre sa vie, sa prison à l'extérieur, mais nous puissions récupérer les 10 millions de dollars, quelle est la bonne méthode? En 30 secondes, ouais. S'il vous plaît. Vous m'avez coupé de mon élan et vous avez la réponse à la question. Ma réponse est dans votre question. D'accord. Quand j'en ai appelé à faire le plat et instaurer un parquet financier avec des règles propres, moi je préférerais qu'on laisse les détourneurs en liberté, mais que l'État soit réhabilité dans ses droits. Très bien. Allez-y, Pascal. Bon, je ne peux pas affirmer que il y a une justice à double vitesse aujourd'hui. Je ne sais pas affirmer ça. Ce qui est vrai, c'est que nous avons été desservis pendant longtemps. Et ceux-là doivent rendre compte. Et lorsqu'il faut rendre compte, beaucoup de gens crient. Règlement des comptes, justice à double vitesse. Non, ce n'est pas justice à double vitesse. Ce sont eux qui se sont compromis dans la gestion. Et aujourd'hui, ils doivent maintenant répondre de leurs actes. Ce qui est normal. Mais j'ai toujours suivi, lorsqu'on condamne quelqu'un, on dit 10 ans de prison, sinon 20 ans de prison, autant d'argent, tout ça. Mais l'argent, là, c'est pour restituer à l'État, non? Non, ça, c'est une peine. C'est une amende qu'on vous donne. Par exemple, vous avez volé 15 millions. On dit, le fait pour avoir volé, vous devez payer à l'État autant. Par exemple, 10 millions de dollars. Mais on ne dit pas que c'est ça, c'est l'argent que vous avez volé. Peut-être que vous avez volé 100 millions. Mais l'infraction que vous avez commise a pour amendement, ou je veux dire amende, autant. Mais l'argent que vous avez volé maintenant, voilà pourquoi dans tout jugement, il est dit toujours après restitution de l'argent. On dit restituer l'argent volé. Mais c'est là où le problème se passe, il n'y a jamais restitution. La question de faire le suivi. Bon, oui, justement. Il y a des choses. Nous n'avons pas eu par le passé une bonne justice. Franchement, exactement. Ça, il faut la construire. Et si aujourd'hui, on doit naître de telles pensées, de telles philosophies pour que finalement la justice fasse correctement le travail, quand tu es arrêté par le fait d'avoir détourné l'argent, et qu'il faut restituer l'argent, je crois que c'est une bonne pédagogie. Alors, je vous relance. Oui. Oui, je vous relance. Prenons un autre sujet rapidement, parce qu'on a déjà pris 40 minutes. Alors, la question de la communication du chef de l'État. Pascal Ounjé, ce sont les voix qui s'élèvent, cher Patrick. Les voix s'élèvent en disant que le chef de l'État n'a pas la bonne chance d'avoir des communicateurs. Disons, une bonne communication. Que ce soit au niveau de la présidence nationale, disons, à l'Union africaine, il y a eu des reportages qui ont été faits à Érythrée, où l'on ne connaît pas que Félix Tshisekedi est président de l'Union africaine. Il y a certains pays qui ne connaissent pas encore, dont les populations ne connaissent pas encore, que le président Félix Tshisekedi est le président de l'Union africaine, faute d'une communication suffisante. Au niveau national, on dit que c'est la même chose. C'est lui le bon communicateur que tous ses communicants. Disons, ne communique pas bien. Nous sommes partis de une dame que j'oublie le nom, et puis après c'était Lokabuanga, et puis Omanga. Oui, Madame Omanga, et puis après c'est...
Eric Kabanga qui part, et puis c'est Eric Nindou qui arrive. Alors cette fois-ci, Eric Nindou qui arrive aurait travaillé dans les grandes chaînes de télévision à l'étranger. C'est une compétence très avérée et tout. Mais sur la pratique, le bon produit, entre guillemets, Félix Tshisekedi n'arrive toujours pas à être commercialisé là où un faux produit comme Kabila a été commercialisé. Alors la question, trouver l'erreur. Où se trouve l'erreur? Dans le choix des individus. Parce qu'il s'agit de la communication politique. C'est dans le choix des individus. Vous, je avez, rappeler... fait ça, vous avez fait ça à l'école, à l'université. Justement, je vais vous rappeler un fait. Ouais. À l'époque, on est avec le président de la République. À l'époque, il était encore Félix Tshisekedi, président de l'UDPS. Ouais. En échange, il dit, bon, si les autres étaient intelligents, votre équipe de kiosque est là. On allait simplement vous déporter et pour faire le travail de l'autre. Et il allait régler beaucoup de choses. C'est ce qu'il avait dit à l'époque. J'étais présent et il s'adressait à moi. Alors, j'ai pensé, moi j'ai pensé que aussitôt proclamé président de la République, le premier réflexe aurait été d'approcher ces gens-là et les faire son équipe de la communication. Mon idée au départ était celle-là. Mais quelle n'a pas été ma surprise? Et lorsqu'on m'a cité des noms, mais dans votre pour moi, excusez, je vous, pour moi, vous, avez, pour, vous avez la parole, dans votre première logique, fois. Dans votre logique, il y a eu séparation. Il y a eu toujours dans votre groupe de kiosques, d'autres sont allés avec Atumbi, d'autres sont restés avec Bemba, il y en a qui sont restés avec Fayulu. Alors lui, Félix Tshisekedi, il allait choisir qui? Non, non, des gens qui ont servi les autres. C'est les journalistes. Parce que dans la même émission, vous l'avez beaucoup insulté. On l'appelait Fatih Vite, on l'appelait Vitamine, on l'appelait tout le mot. Alors, à un moment donné, vous pouvez. J'ai juste illustré qu'il pouvait, en tout cas, chercher dans ces gens-là et constituer une bonne équipe. Okay. Parce que les gens qui sont finalement venus, vous les aviez cités ici, nombreux ne les connaissaient pas dans la communication politique, surtout dans une certaine période ici. Pour bien communiquer, vous devez également connaître, n'est-ce pas, les réalités politiques pour ajuster même les propos ou vos expressions. Et ils ont cette difficulté-là. Et voilà pourquoi ça n'a pas tourné, ça ne tourne pas jusque-là. On va le dire combien de fois. Moi, je pense qu'il est temps pour le président de la République. Les attaques sont nombreuses. Il n'y a pas un répondant de l'autre côté. Ils sont trop passifs. Ils encaissent pratiquement tout. En dehors de ces quelques-là que nous avons cités, mais ils sont au nombre des trentaines. Quand vous arrivez dans la cellule, vous regardez les visages, est-ce que à son niveau, tel peut travailler, peut faire la communication du chef de l'État? Et c'est là la difficulté. Vous êtes déçu un peu? Pratiquement déçu. Nous avions pensé à un certain moment qu'il fallait avoir deux niveaux de communication. Ceux-là ne faisons pas bien, que les autres relayent à l'externe, bien entendu. Mais ceux de l'externe ne sont jamais pris en compte. Est-ce qu'ils ont en charge? Est-ce qu'ils ont des moyens? Non, c'est ça aussi le problème. C'est l'État. J'aurais entendu une discussion. Bon, ça, c'est pas. Je le dis avec des pincettes. On dit même que l'actuel bureau de communication du chef de l'État n'a pas de moyens. J'aurais entendu qu'ils étaient en train de débattre sur des véhicules qui n'étaient même pas véhiculés et qui n'étaient même pas véhiculés. Est-ce que vous pensez véritablement qu'on a mis de moyens et qu'eux n'ont pas pu faire le boulot? Ça, c'est de un. De deux, est-ce que vous pensez que le chef de l'État est lui-même réceptif? Parce que certaines personnes disent aussi que le chef de l'État n'écoute pas. On ne lui dit pas des choses. Lui, quand il veut parler à la presse, il parle comme il entend, mais est-ce qu'il écoute aussi les gens? Donc, tout ça. Là, c'est un peu difficile de pouvoir comprendre parce que. On n'est pas ses collaborateurs directs pour savoir si, comment il se comporte, est-ce qu'il n'y a pas l'argent, ainsi de suite. Non, mais je ne pense pas que Félix Tshisekedi, même lorsqu'il était opposant, c'est un grand communicant. Et il respectait très bien la presse. Oui. Il sait bien comment fonctionne la presse. Oui. Je peux imaginer autre personne, mais pas Félix Tshisekedi. Je ne peux pas croire que la cellule ne s'est pas bénéficié de l'argent. Mais si la cellule n'a pas l'argent, elle n'a jamais dénoncé. Je vois la cellule faire toujours des déplacements. Lorsqu'on fait des déplacements avec le chef de l'État, vous savez comment il se limite? Il se limite à faire un simple élément du journal qu'il lance et que tout le monde peut en bénéficier. Pourtant, il se limite là. Est-ce que pour venir sur un plateau de télévision, échanger, communiquer, ça demande quoi? Nous sommes venus là.
Parce que les gens nous suivent. Nous avons payé combien? Ah, rien du tout. Ah, voilà. Et je vous ces initiatives-là, il n'y en a pas. Mm. Ça ne nécessite pas forcément l'argent. Oui, l'argent, c'est important pour une bonne communication. Mm. Mais on peut, à un certain niveau, face à une difficulté, face à une réalité, monter d'autres stratégies de communication pour vendre l'image de la région. Est-ce que je suis compétent, oui ou non? Ah, ce jugement, il est trop fort. Hein? Mais au moins, nous constatons que le travail ne se fait pas correctement. Il y a nécessité d'une bonne communication, d'où le chef de l'État a encore le temps de revoir son équipe. Je reviendrai que finalement, il est des bons communicateurs qui feront son image, qui vont construire son image de marque, pour que finalement, les gens comprennent effectivement ce qu'il fait, que de se limiter à chaque fois à sa communication, parce que là, il parle de lui-même, parfois c'est mal perçu. Je reviens à vous pour clôturer. Par quoi qui est allé, est-ce que vous avez l'impression que le chef de l'État est rodé quand il sort devant la presse, un peu à l'image d'Obama, à l'image de Donald Trump, à l'image de Biden, qui parfois, quand un journaliste de poste lui pose une question, il peut répondre déjà, oui, le poste, je connais votre tendance, je sais comment ça se passe. Est-ce que vous pensez qu'il y a des vraies séances de débriefing ou de briefing avec le chef de l'État sur la nature de chaque journaliste, de chaque ligne éditoriale, chaque tendance? À mon avis, ceux qui posent problème aujourd'hui, c'est le SAV. Le SAV, c'est le service après-vente. Les sorties médiatiques du chef de l'État, il n'en a pas fait beaucoup. Mais pour moi, toutes ces sorties médiatiques ont été une réussite. Seule la dernière a soulevé des polémiques. Et comme souvent, le SAV était absent dans le service après-vente. Le chef, quand il parle, le président de la République, quand il parle, il doit y avoir une cellule de SAV, service après-vente. Des plateaux spéciaux. Voilà. Mais alors, c'est le chef de l'État qui n'a jamais eu de plateaux spéciaux. Après, quand il fait des interviews, il fait des déclarations, parfois fracassantes, pertinentes, mais il n'y a pas de plateaux spéciaux. Voilà, pour en parler. Le chef de l'État avait dit des choses très importantes toujours là. C'est passé inaperçu. Oui. Incognito. Hein? Inaperçu. La communication de ses adversaires, qui est très bien rodée, parce que eux, ils fonctionnent jusqu'à l'international. Ils savent comment aller réveiller une prétendue journaliste belge dont on ne connaît pas là où elle preste. Colette Braeckman. Non, ce n'était même pas Colette Braeckman. Ah, d'accord. Ce n'était même pas elle. Les gens ont cru que c'était elle. C'est une illustre inconnue. On a monté les images. On sait comment ça se passe. On a juste donné la voix. Parce que pour que ça fasse boum, il fallait que ça soit la voix d'une Européenne. Mais tous les textes, je peux même vous livrer, qui a écrit, qui a monté. Qui? Oh là là, je vous le dirai en privé. Mais il était, il a passé du MLC, voilà, vous avez une indication, un vagabondage. C'était le témoin numéro 41 de le procès de Bemba. Vous avez l'information. Ah, d'accord, je vois. Voilà. Je vois. Voilà. Je connais les financiers. Moi, je connais les financiers. Était dans les chantiers. Moi, je suis dans le nègre. Le nègre, c'est celui qui écrit. Ah, d'accord. Parce qu'il y a des présidents pour qui on écrit. Oui. Au Sénégal, vous savez que leur constitution dans le monde d'accession, on va y revenir, à part être de père et de mère, ils exigent que le candidat président sache écrire et lire. Qu'il sache écrire et lire, hein. Mmh. Celui-là, il est le nègre de son président. Il lui apprend à écrire et à lire. Une parenthèse que j'aurais fait, notamment 41. Donc, le service SAV ne fonctionne pas. Non seulement on n'a pas fait le suivi en mettant le projecteur sur ce qu'avait dit le président d'important, mais on s'est laissé emporter dans une vague de ce que le président aurait dit, qui n'aurait pas été cohérent. Et même là, voyez-vous, quand les gens disent comment il ne connaît pas son président salaire. Alors qu'on connaît le salaire de Kabila, qui est de 680 000. Et j'entends même ces choses de la part des journalistes. Kabila ne touche pas le salaire de 680 000. 680 000 représentent une dotation. La dotation n'est pas un salaire. Le salaire est inclus dans une dotation. C'est-à-dire que vous, en tant qu'ancien chef de l'État, vous coûtez au budget 680 000. Et dans les 680 000, il y a votre salaire, il y a l'indemnité kilométrique. C'est des gens quand même, pour la plupart des gens qui ont travaillé, ils doivent connaître ces choses. Mais
Mais ils les font à dessein, ils savent qu'ils doivent, voilà, doivent vous embêter. Kabila coûte, effectivement, à l'État, 680 000. Mais qui représente une dotation. Et dans la dotation, il y a le salaire. Le président représente en termes de fonds des millions. Et il y a plusieurs rubriques. Et le président, c'est pas un fouillard qui est payé comme un employé qui va à la banque. D'ailleurs, vous en avez un langage. Bah, foutu à signer, à signer. C'est pourquoi on appelle ça liste civile. Quelqu'un a même dit, une journaliste, ne permettez pas de citer son nom, à signer à ceux qui m'appellent Mbongo. Vous avez vu ça où? Comment on peut tomber, non dans les caniveaux, mais dans les marécages, à ce point? Le président n'a pas un rapport avec l'argent. Il y a tout un service qui gère ça. Et ce service gère même la famille du président. Donc, retenez-le bien. Mais alors, mais il y a autre chose. À part, toujours dans la communication. À part ce... D'ailleurs, ce n'est même pas un couac, parce que quand on a été voir dans le budget, parce que c'est la loi de finances qui fixe, les gens ont été éclairés et on a vu qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Maintenant, le président, quand il dit qu'il n'a pas confiance en AstraZeneca, les gens qui ont scandale. Alors, je vous pose une question. Quand vous avez des maux de tête, vous prenez quel médicament? Vous prenez le Feralgan, l'aspirine ou le Doliprane? Le chef de l'État doit vous venir vous dire à vous quel est le comprimé que vous devez prendre pour calmer votre maux de tête. Mais le vaccin est beaucoup plus important. Hein. Le vaccin va, les vaccins à la tête à lui va emporter Macron. Attendez, le vaccin est un médicament. Comme tout médicament, ça a des effets indésirables. Et les effets indésirables sont fluctuants d'un corps humain à un autre. Mais pas de la même portée, pas de la même portée en tout cas. Sinon, il n'y a pas de débat sur le paracétamol de l'Uprane ou de la reine. Non, il y a de ce coin, il y a de ces gens à qui on interdit de prendre le paracétamol. Oui, bien sûr, mais la portée, c'est pas... Les gens qui interdisent cela, ce n'est pas les chefs d'État, c'est des pharmaciens, c'est des docteurs. Oui, mais... Mais vous demandez à un chef de l'État de se prononcer, lui qui est un patient comme vous, lui, il dit ma préférence va sur un autre vaccin. Mais vous voulez... Non, mais est-ce que vous réalisez l'impact qu'il y a dans ça? Imaginez-vous que Cristiano Ronaldo, qui n'est même pas président, simplement pour le fait d'avoir déplacé les bouteilles d'alcool sur sa table, mais l'entreprise a perdu des millions et des millions. C'est de la même manière, si le chef de l'État dit, moi je ne prends pas ces vaccins en ce moment-ci, ben, tout le monde ne prendra jamais ces vaccins-là. On dirait, le chef de l'État n'a pas pris ces vaccins, on ne le prendra pas. Non, non. Il y a une différence entre ne pas prendre de vaccin et ne pas prendre ce vaccin-là. Moi, je dis ce vaccin-là. Voilà. Ouais. Mais le chef dit, moi, je ne prends pas. Moi, je n'ai pas confiance. Ah, en fait, moi, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui me fait rire dans tout ça, vous avez entendu les gens de Fayoulou. Les gens de Fayoulou ont dit, on prend le chef de l'État, on le prend pour responsable. Au cas où le malheur arrive à... Non, les Congolais sont formidables. Si un malheur arrive à Fayoulou, et bien, ça sera lui. Non, c'est aussi parce que le Congolais en fait un refus de, je dirais, de se documenter. On va terminer. Oui. De se documenter. On ne peut pas terminer sans parler. Si, terminons ce sujet de communication. Voilà. Je préfère qu'on arrête pour qu'on entre dans ce sujet. Sont-ils compétents ou incompétents, selon vous, les services de communication du chef de l'État? Je ne voudrais répondre à cette question. Moi, j'insiste sur le fait que le service après-vente, parce que souvent, on voit dans les plateaux ceux qui viennent faire cela et qui seraient, entre guillemets, rémunérés. Parfois, je me dis, au lieu de servir le chef de l'État, ils le desservent. Vous, qui prenez parfois des balles au nom et pour le compte du président de la République, je ne le dis pas dans le mauvais sens, je le dis dans le bon sens. Vous dites, vous luttez pour la République, vous luttez pour la bonne image. Moi, personnellement, je suis parmi ceux qui se battent comme ça. Mais est-ce que vous pensez que vous êtes pris au sérieux? Est-ce que vous pensez que vous êtes considéré dans toute la force du mot? J'aimerais ici éclaircir l'opinion qui me suit. Je ne sais pas pour les autres, je parle de moi. Je parle de moi. À un moment même, les gens disaient, ah, il est conseiller de la première dame. Non. Je mets quiconque à défi, non. Je ne suis ni dans les périmètres de la première dame, ni moins encore de la présidence, ni d'élu de PES. Monsieur Kaboun, je l'ai vu une fois. On a parlé pendant 45 secondes. Fayoulou le dit ça aussi, hein. Il n'a jamais vu Kabila. Bon, ça, c'est pour vous taquiner. Ça, c'est un glissement. Si vous taquinez, je reviendrai, quand vous me le permettrez, sur l'affirmation de Fayoulou qui n'aurait pas vu Kabila. Moi, j'ai dit
que j'ai vu Kabuya. Une fois seulement. Une fois. Très bien. J'ai vu Kabuya, Augustin Kabuya, le secrétaire général, une fois aussi. Ceci pour dire quoi? La faiblesse de ce pouvoir semble résider dans leur rêverie à un moment. Là où les autres sont en campagne. On disait que c'était la philanthropie, c'était pour les beaux, c'était pour... L'ex-première dame est déjà en campagne. C'est pas de la philanthropie, elle est en campagne. On a appris qu'elle partira au Kassai, lequel Kassai qu'ils ont laissé mourir pendant plus de 18 ans, mais ils trouvent maintenant que c'est le moment d'aller donner des dons. 130 personnes, ils sont en campagne et on ne peut pas leur reprocher. Ils ont un service de communication et je dois le dire bien où il est. Mais pendant ce temps, je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais j'ai vraiment l'impression que les gens qui sont au pouvoir pensent que c'est donné, c'est acquis, c'est signé. Non, c'est pas donné, non, c'est pas acquis, non, c'est pas signé. Très bien. Pascal Ounje, on termine. C'est le tout dernier sujet. Alors là, je veux m'approcher parce que ça va jaser un peu. Vous avez entendu la proposition, la réflexion de Noël Tiani sur la nationalité, que les gens appellent abusivement congolité, alors qu'il ne s'agit pas de la congolité, il s'agit des verrous au poste du président de la République. Alors, le cardinal Ambongo parle congolité, je ne sais pas qui a dit c'était congolité, l'Union, non, je veux dire, l'ONU, puis tout ce que la MONUSCO, tous contre cette proposition de loi. Et puis, vous avez Fayou, non, je ne dis pas Fayou, ou Katumbi qui prend ça à cœur, et tous les catholistes prennent ça à cœur. Il y a même des combattants qui connaissent, qui disent déjà que nous connaissons la maison de tel, on connaît la maison de tel. Face à cette situation, est-ce que vous pensez que, deux choses, c'est une mauvaise proposition, une mauvaise réflexion? Deuxième chose, est-ce que Félix Tshisekedi est derrière cette histoire parce que l'Union sacrée est sur la voie d'être, de disparaître, on va dire, d'éclater? Bon, c'est une très bonne proposition déjà de loi. Très bonne, vous dites? Très bonne proposition de loi déjà. Pourtant, MONUSCO pense que ce n'est pas le cas? Je ne suis pas MONUSCO. MONUSCO n'est pas congolais. De deux, je ne pense pas que le chef de l'État soit derrière ça. La preuve, c'est que dernièrement, dans ses communications, il a abordé la question. Et je m'en souviens même lorsqu'il prenait le pouvoir au début, il avait dit qu'il se battait pour la double nationalité. C'est clair. Donc, il n'est pas là-bas. Mais vous ne pouvez pas empêcher un Congolais de réfléchir. Ce débat, nous l'avions eu ici, en République démocratique du Congo. Deux fois. Quand Mouzé nous a amené les Rwandais ici, et là, je vois Jean-Baptiste Bomanza, que je salue maintenant. Parce qu'on a eu un chef d'état-major qui était rwandais. On voulait à tout prix qu'il reparte. Et on disait à Kabila, si tu as une facture à payer aux Rwandais, nous allons le faire. Parce qu'il y avait beaucoup de Rwandais à la République démocratique du Congo. Deuxième étape de débat, c'est avec Kabila ici. 2006, lorsque nous sommes allés aux élections, on nous a démontré qu'il n'est pas congolais. Et nous avions engagé le débat ici. Tout le monde était soucieux. Et c'est de là, jusqu'à la fin, on l'a eu. Parce que dans le mental des Congolais, on était en face d'un non-Congolais qui nous dirigeait. Voulez-vous aujourd'hui qu'on reste toujours dans cette logique-là, après se rendre compte, effectivement, de l'infiltration étrangère en République démocratique du Congo ici, et qu'on ne protège pas certaines fonctions? Mais on aura des étrangers qui vont nous diriger. Mais le constat, c'est quoi, Christian Bossembe? Je n'entends pas autre personne s'acharner contre cette proposition de loi. Curieusement, c'est Katumbi. Ah, mais pourquoi c'est le mot Katumbi? Mais on creuse et finalement, en quelque sorte, le malheur est bon. On a l'identité de la personne. Je suis fier de dire, je suis né dans un village où il n'y avait pas l'hôpital. Et chez moi, mes grands-parents, c'est ceci, mes grands... Très fier, moi. Mais comment ils se sont frustrés lorsqu'on veut qu'un tel Congolais, s'il veut postuler au niveau de la présidence, dans les institutions stratégiques, il faudrait qu'il soit des mères et de pères. Moi, je ne vois pas là où ça peut offusquer. Très bien. Donc, c'est un problème personnel. Je veux entendre que d'autres Congolais
les disent comme lui le dit avec son équipe. Mais le chef coutumier de Katanga a plus de 70, on dit non à ça. Non, vous vous en souvenez, il y a un chef coutumier, l'autre là du Katanga, avant que cette loi ne soit déposée à l'Assemblée nationale. Il avait réuni les gens au Katanga pour démontrer que Moïse est Katumbi, sa maman est katangaise, ainsi de suite. Démontrer ça, ça, pour les Katanga, on ne peut pas. Mais moi, je parle ici au niveau national. National. Je n'ai pas encore entendu les gens s'opposer à cette loi. Même alors, jusque-là, ce n'est qu'une proposition de loi. Le débat n'a pas encore eu lieu. On a déposé la proposition, certes. Le bureau va décider. La conférence des présidents va décider. La plénière va décider au dernier ressort. Mais attendons, si c'est la plénière qui va décider, ça veut dire que c'est les Congolais qui auront décidé. Et à ce moment-là, la faute sera à qui? Très bien. Non, ici, il s'agit de protéger quand même certaines fonctions pour que nous soyons sécurisés. Sinon, un jour, on aura quelqu'un qui va nous hypothéquer la partie Est, simplement parce que nous n'aurons pas été prudents. De mon point de vue, je suis très d'accord. Très bien. On va terminer avec vous, Patrick, cher Patrick. Je vais répondre par séquence. Si cette loi passe, très bien. Si elle ne passe pas, tant mieux. Ça, c'est déjà la base. Si elle passe, je dis très bien. Si elle ne passe pas, tant mieux. Première séquence. Deuxième séquence. Ici, dans ce pays, en 2006, on a chanté « Azamwana Congo, Azamwana Congo ». On chantait pour Igwe, M. Jean-Pierre Bemba. L'Église catholique, en ce temps-là, n'a pas fait un communiqué pour dire que cette chanson va embrasser le pays. Ou discriminatoire. On n'a pas parlé de discrimination à ce moment-là. Parce qu'on sait tous vers qui cette chanson était destinée. Aucun communiqué pour dire arrêtez ça, nous sommes tous Congolais. Deuxième séquence. Troisième séquence. Il ne s'agit pas de congolité, et le ministre Moyaya l'a dit. Il s'agit des critériums d'accession à certains postes de responsabilité. Dans d'autres pays, et dans plusieurs pays, on exige même parents, grands-parents et même épouses. La MONUSCO qui a fourré son nez ne peut-il pas commencer d'abord par dire à ces pays que c'est que ces dispositions qui existe depuis fort longtemps. Entre les États-Unis. Les États-Unis, c'est le sol américain. Il faut être là. Ils peuvent commencer là. Elle était à Washington. Elle peut commencer par là. On ne peut que manipuler ceux qui sont manipulables. Les critères existent partout. L'autre séquence. Madame Mouchebekwa, même si elle va se dédire, même si elle s'est déjà dédite, a dit, il nous faut non seulement être des parents, mais il faut en plus ne pas avoir acquis une autre nationalité. Maintenant, j'en viens à ce que moi, je dis de ce sujet. Et on termine par là. De la bouche de M. Katumbi, on sait déjà qu'il n'est pas congolais de par son père. De la bouche de M. Muyambo, et les images existent, on sait qu'il est zambien de côté de sa maman. Et de la bouche du président Félix Tshisekedi, l'un de ses grands-parents n'est pas congolais. De la bouche de M. Tshisekedi, Maman Marthe aurait une parent qui est angolaise. Quand je dis une parent, ça veut dire il y a un papa et un maman. Et non, je dis un papa et une maman. Je vais laisser tromper d'article. Donc, quand il y a un papa et une maman et que vous avez un enfant, l'enfant a la latitude. La nationalité du père. Voilà. Bah, on va dire ça. Donc, faux débat. Donc, revenons sur l'essentiel. De la bouche de Moïse, on sait déjà qu'il a affirmé. Et c'était déjà connu qu'il est juif grec. Monsieur Muyambo devra nous dire, parce que moi j'ai foi en Monsieur Muyambo que c'est un homme correct. Il a dit que c'est dans sa nationalité de Zambien, de côté de sa mère, que Moïse, étant réfugié Katumbi en Zambie, avait bloqué les camions de la Gécamine. Ceux qui habitent le Lubumbashi. En tant que sujet zambien. En tant que sujet zambien. Aidé par le gouvernement zambien. L'Église catholique ne peut pas nous interdire de nous questionner. Ben, il dit, il fait la discrimination, tout simplement. Moi, aujourd'hui, comme hier, l'Église catholique était, pas l'Église catholique,
je veux nuancer parce que certains clergés, on va se lever pour terminer. Certains ne sont pas d'accord. La Senko était en croisade contre Kabila, clairement. Aujourd'hui, la Senko est en croisade contre Félix, une structure qui serait apolitique, soit dit en passant, mais qui a clairement choisi, dès les premiers instants, en contestant le pouvoir, en disant que ce pouvoir est issu. Et dès les premiers pas, ils ont fait de l'opposition et ils continuent à faire de l'opposition. Heureusement pour eux, ils ne seront ni gazés, ils ne seront ni violentés, et on ne connaîtra pas, je l'espère. Il n'y aura pas de blasphème dans l'église. On ne connaîtra pas, je l'espère, des morts. Bien que ceux qui les avaient gazés, ceux qui avaient blasphémé les temples, jusqu'à pénétrer, je m'en souviens, à l'église Notre-Dame, avec des bérets, ils sont aujourd'hui, ils se sont accoquinés avec eux. C'est leur liberté. Mais que l'Église ou la Senko n'empêche pas aux Congolais que nous sommes de réfléchir, de nous questionner sur le pays. Je veux reprendre une question que vous ne m'avez pas posée, à savoir si M. Félix est derrière ça. Le président n'est pas l'armée du salut, que je sache. Il n'a pas fait vœu d'être l'homme le plus, plus pape que le pape lui-même. Si des Congolais réfléchissent, amènent une proposition qui vise un de ses adversaires de manière légale, de manière régulière. Je dis, on peut disqualifier cet adversaire parce qu'il ne remplit pas les conditions. Déjà, on n'a même pas besoin d'aller loin. En l'état, si on veut être rigoureux, en l'état avec cette loi, n'étant pas congolais ni de père ni de mère, mais il est déjà disqualifié. Les autres qui nous parlent de disqualification. Mais un Congolais né sur le sol congolais, ce n'est pas des Congolais d'acquisition. Mais ils sont exclus du jeu. Oui, parce qu'ils ne sont pas d'origine. Parce qu'ils ne sont pas d'origine. Alors, c'est la loi qu'il a voulu. Oui. Donc, c'est pour dire que la loi permet de manque d'exclusion. Très bien. Alors, merci de passer. Je vais le dire déjà comme ça. C'était un premier numéro, un essai en fait. On a essayé un nouveau plateau. Vous voir ce que ça va donner à deux, ce que ça va donner. Vous êtes le premier à participer à cette émission, merci beaucoup. Vous avez connu le cardinal Monseigneur, n'est-ce pas? Je l'ai connu. C'est un personnage qui s'est trop battu pour la liberté et la démocratie dans notre pays. C'est un clergé politique, pratiquement, parce qu'il a eu à diriger même les institutions politiques de notre pays. C'est quelqu'un qui avait une discursivité de la société de façon si particulière. C'est un pétri, c'est un monsieur qui était suffisamment intelligent et malheureusement il est parti, mais j'ai constaté une certaine incohérence dans sa démarche avant sa mort. Non mais on parle pas de ça. Non, il n'est pas encore sous terre. Non, c'est vous qui trouvez la mort extraordinaire. Nous autres qui avons appris la philosophie, nous trouvons la mort normale. On sait bien. Pour lui en tant que chrétien, le décès, c'est aussi une liberté. Oui, il n'est pas mort, il est endormi. C'est tout. Et donc, c'est simplement, ça doit nous servir d'exemple. Et Patrick venait de le dire, parce qu'il a évoqué les marches organisées la fois passée par l'Église catholique, et les mêmes qui gazaient s'agglutinent à l'Église catholique aujourd'hui. Ça ne passe pas. Alors maintenant, contre celui que vous aviez tenu certains propos à un certain moment, et vous vous déplacez, vous quittez ici, vous allez jusque chez lui là-bas, peut-être avec intention de recréer une certaine relation. Très bien. De mon point de vue, c'est une imprudence. Très bien. Sur le cardinal. Mais et au cours d'une... On regrette sérieusement de cette disparition. Très bien. C'est une personnalité du pays et de l'Église catholique. Le Congo a perdu quelqu'un d'une grande intelligence. On peut tout reprocher au cardinal, mais c'est une grande intelligence. Le Congo a perdu un grand esprit. C'était un homme de grand esprit, un homme de culture. Il a honoré le Congo en devenant un cardinal. Et je peux le rappeler, il était parmi les 9 conseillers du pape. Le Congo a perdu un politicien. Sur le côté politicien de M. Monsengo, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Mais je souscris dans la démarche qui est la vôtre. Une personne étant morte, point n'est besoin d'épiloguer sur lui. Très bien. Merci beaucoup à vous tous.
Je crois que prochainement, on reviendra sur la question, sur l'actualité. C'est normal. Merci. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Je vous retrouve avec le même plaisir prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les services. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME, PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique. Colis Booking qui travaille en partenariat avec La Poste est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisée. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme, et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Loye Molonde Nelalisa.